Ouais, non, mais excuse-moi. Non, mais je l'ai complètement oublié, les gars, dans la vidéo précédente. Ça va, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu leur expliques un petit peu? Non, mais on comprend pas. Non, on comprend pas. Les gars, laissez-moi vous expliquer aujourd'hui ce qui va se passer. Est-ce que c'est moi qui décide ce que je mange? Bien évidemment que non. Google Maps décide de ce que je mange aujourd'hui, les gars. Donc, les gars, ici, nous avons la carte d'Angers. Ici, présentement. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai ce petit outil. Quoi? Ça va, j'ai acheté un tapis, je l'ai pas encore installé. Oui, ça fait 2 mois. Bon, excusez-moi, les gars. Non, mais au bout d'un moment, il nous dérange un peu trop. C'est simple, je vais viser sur la carte. Là où ça tombe, on va aller exactement à ce même endroit sur Google Maps. On va naviguer comme ça dans les rues. Le premier restaurant sur lequel on tombe, c'est là où je vais devoir manger. Pour le premier repas, les gars, tout simplement, on va prendre du rouge. Donc je me munis de mes munitions. La bête est chargée. Nous allons venir y insérer un petit peu de peinture comme ceci. Oh, je suis juste sur le pont. Non, mais j'ai trop bien visé. Direction Google Maps, les gars. On va aller naviguer un petit peu dans les rues d'Angers. Voilà, c'est parti. J'ai envie de chialer. Non, franchement, j'ai envie de me mettre des grosses tartes dans la tête. Regardez, les gars, j'avais placé mon téléphone ici pour qu'on voit bien la carte au moment où je tire. J'ai oublié d'appuyer sur REC. Vas-y, mettez-moi des claques. Allez, vas-y, mettez-moi des baffes. C'est bon, vas-y. Oh, c'est bon, wow, calme-toi. Tu prends du plaisir à me taper ou... En tout cas, on était ici, là, sur le pont. Hop, street view. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le centre, je pense, vers le centre-ville, là-bas. Il n'y a pas de resto, là. Vas-y, on va aller tout droit, frère. Boum, pas de resto. Bon, là, c'est Travoland, hein, donc là, il se passe rien. Wesh, des petits en trottinette. Ok, on avance. Ah, Burger and Friends. Ah non, Da Vinci. On y va, les gars, je connais pas. C'est l'avantage de cette vidéo, c'est qu'on va découvrir des trucs. Ah, oh les mains, cette vidéo et ta chaîne m'appartiennent dorénavant. T'es qui, en fait? Hein? Bah, je suis un pirate, en fait, parce que regarde, il y a... Et je suis en train de pirater ton compte, là. Faux. Nul, zéro. Ah non, c'est complètement erroné ce que tu dis. Ah bon? Tu peux pas me pirater. J'ai CyberGhost VPN. L'outil parfait pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants ou de pirates un petit peu fatigués dans ton genre. C'est pas gentil ça par contre. Ouais, désolé. Avec CyberGhost VPN, tu deviens invisible sur Internet et tu peux changer ta localisation partout dans le monde. Et c'est pas mal ça. Avec une adresse IP étrangère, tu peux réserver des hôtels et des voyages à moins cher. Accéder à un catalogue de plus de 40 plateformes VOD comme Netflix, Disney+, à moins cher. Et accéder au catalogue de pays étrangers pour regarder des films et des séries qu'on n'a même pas en France. Calme-toi, c'est pas fini. Toi, par exemple, là, t'es un peu en manque d'argent, on va pas se mentir. Hein? Non, en vrai, non. Si. Non, mais ne mens pas, ça se voit, en fait. Et bah, avec CyberGhost VPN, tu peux faire des économies. Par exemple, en te connectant à une adresse IP indienne, YouTube Premium est à seulement 1,50€ par mois. Plus de pubs sur YouTube, accès à YouTube Music, une très bonne alternative à Spotify. Et nous, en plus, en tant que créateur de contenu, on est plus rémunérés. Perso, je dis pas non. 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot, service client français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, simple à utiliser, satisfait ou remboursé sous 45 jours, tout ça à 2€ par mois, le tout sur 7 appareils différents pour faire profiter la famille et les amis. Et en plus, si tu utilises le lien dans la description, t'as 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Donc télécharge CyberGhost VPN et utilise le lien dans la description pour ça. Et sérieux frérot, arrête la piraterie. Non mais tu as raison, la piraterie est finie. Tu peux... Hein? Oh oui pardon, j'y vais. Excusez-moi. C'est parti hein, c'est ici qu'on va. Est-ce que vous pouvez me faire un de votre choix, juste que je connais pas trop, ce que vous voulez. D'accord. Je peux vous voulez comme... N'importe. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. Vous dites pizza pour le petit déjeuner. Pour qui me prenez-vous, les gars? Regardez ce qu'ils font. Oh lolo. Les gars, je sais même pas ce qu'il y a dedans, parce que vous savez, maintenant, en fait, moi, dans ma vie, je ne choisis plus ce que je mange.
Du coup, je suis arrivé, j'aurais dit « Faites-moi ce que vous voulez, faites-vous plaisir !» Et ils se sont fait plaisir. Kiwi, de la banane, du Mars, de la chantilly, du nut... Non, non. Je suis gêné, les gars. C'est pas normal que dans une vidéo, je mange bien. Genre, en plus, là, petit déjeuner, gaufre. Mais j'en redemande. Les gars, regardez, voilà, une petite dose de fruits. Wesh, kiwi Nutella, les gars, c'est une dinguerie. Oh là là, je sais pas comment je vais manger ça. Kiwit. Franchement les gars, c'est incroyable. Et je tenais vraiment à remercier les gens qui travaillent là-bas, très très gentils. Si vous habitez sur Angers et que vous avez envie d'une petite gaufre, allez-y les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'ai eu énormément de chance. On va goûter ça. Je crois que c'est du Mars. C'est du Mars. Il y a strictement tout ce qu'on mange au petit déjeuner, mais réuni dans un truc. Par contre, si on est parti sur des trucs comme ça toute la journée, je vais devenir une montgolfière, les gars, c'est pas possible. Bon, les gars, je finis de prendre 7,5 kg de gras et on va enchaîner pour voir où on va tomber pour ce midi, les gars. Ah, les gars, j'en peux plus, j'ai enfin fini cette gaufre gargantuesque. Du coup, pour le déjeuner, les gars, on va partir sur, vous savez quoi, un petit violet comme ça. Là. Et on est parti pour défourailler sur la ca... Wesh! Ça va, les gars. J'ai mangé, j'ai fait express pour la vidéo. Un peu de peinture, comme ceci. On est à côté de Pimki, les gars. Je vais m'acheter des petites ballerines en même temps. Ouais, j'aime bien sentir le poisson mort des pieds. Il est où le Pimki, là? Ah là, on est là, on est là, on est là. Ok, on est là. Boum. Hop. C'est quoi, ça? Non, non, les bars, tous ces bars chelous, instituts. Ah, si je me fais épiler l'arrêt. Allez, on y va, les gars. On est des fous. C'est quoi, ici? Boulangerie Maison Beckham. Ok, bah écoutez les gars, Maison Beckham, on va tirer des coups francs. Bonjour, est-ce que vous pourrez me donner un chiffre entre 1 et 30 s'il vous plaît? 24. Alors est-ce que vous pouvez me mettre pour 24 euros de tout ce que vous voulez? D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, c'est très gentil. Merci. Je vais bien manger. Je vais très très bien manger. Oh, les gars, je suis comme un gosse, je suis comme ça, je sais même pas ce qu'il y a dedans. 24 balles, frère. Ok, petite baguette chocolatée. Une baguette pour les oiseaux, avec des graines. Ah non, c'est du fromage. Je crois que c'est aux chèvres. Je pense que vous connaissez mon amour pour le fromton. Inexistant. Il y a trop de trucs, les gars. Ça, 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 ça. Plus une grosse boîte comme as. Je ramasserai plus tard. Les petites boissons d'ailleurs. Je tenais à remercier la dame qui m'a servi. Trop, trop gentille. Elle s'appelait Céline, les gars. Si vous passez par Beckham du centre-ville, Angers, demandez Céline. Elle va vous mettre bien, les gars. Ça m'intrigue, ça. Oh, un gâteau en forme de cœur. Je sais même pas par où commencer, les gars. Oh, regarde-moi ça. J'aime pas ce que c'est. Mais non, c'est incroyable. En vrai, les gars, je sais même pas ce que je mange. Je saurais même pas vous dire les noms. Oh, regarde, mon... Oh, c'est quoi ça? C'est un choco suisse. Moi, dans mes vidéos, j'ai l'habitude d'acheter des croissants à Lidl. Des croissants à 45 centimes. Là, je redécouvre ce que c'est que le plaisir, les gars. Après, vous allez me dire, pour un déjeuner, ça n'a pas trop de sens. Et je vous dirais que oui, effectivement. Pour l'instant, Céline, c'est un sans faute. On continue. Regardez-moi ça, des losanges au sucre. Oh, c'est quoi ça? Tentez de rapporter un voyage à Séville. Vas-y. On va à Séville, les gars, quoi. Calme-toi, c'est moi qui vais. Les gars, on va mettre un avis à Céline. Parce que franchement, elle est extraordinaire. Boum, 5 sur 5. Cuisine, 5 sur 5. Service, 5 sur 5. Ambiance, j'étais comme ça. 5 sur 5. Merci à Céline de
m'avoir fait dépenser tous mes sous. Non, je rigole. Franchement, merci à Céline pour ce magnifique accueil. Quel type de repas avez-vous consommé? Un peu tout? Combien avez-vous dépensé? 24 balles! Si vous pouvez aller mettre un avis, franchement, vous mettez Céline, t'es trop gentil. Céline, je t'aime peut-être. Céline, refais un feat avec Garou. Voilà, vous pouvez mettre des trucs comme ça, très gentil. C'est Boulangerie Maison Beckham Saint-Julien. Bombardez les avis, s'il vous plaît. Elle sera très contente. C'est même pas sponsorisé, les gars. Mais elle a été vraiment trop, trop gentille. Merci, les gars. Et merci, Céline. Franchement, les gars, il y a un truc qui me donne trop envie. Chocoroi vanille. Ça, c'est la spécialité d'Angers, les gars. Ouais. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Si j'avais choisi moi-même, ça aurait pas été aussi bon. Eh, parce que... Je sais pas faire des choix. Je ne sais pas gérer un budget, je ne sais pas choisir. Donc, je demande aux gens mon budget et je demande aux gens de choisir ma place. Hein? J'ai dépensé 24 euros. On va quand même goûter ça, les gars. Oh, c'est mignon. Je cache pas en termes de chocolat. Aujourd'hui, j'ai ma dose. Mais c'est très bon. Il reste encore ça, j'aime pas goûter. Ouf. Bon, les gars, je finis vite fait. Et on tire la dernière cartouche. Dernière cartouche, les gars. On va partir sur un beau bleu. Hop, une gouttelette. Hasta la vista. Bye bye. Boulevard Arago. Peut-être Angers, ça peut être cool. Ok, les gars, si je dis pas de bêtises, on est là. On était pile sur le campus. Par contre, j'ai peur parce que pas loin, il y a des gens drôles qui font des jeux de mots. Il y a le kebab d'Aladin. Comment te dire que j'ai pas envie d'aller là-bas? Je sais pas, le nom peut-être. École art et métier, voilà, on était là. On va partir par là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Poulet frites, fermé temporairement. Arrête. Ah, ça a l'air pas mal. C'est que là, je me tape le phnom. Traiteur asiatique. Je sais pas comment réagir à cette information, les gars. C'est sans doute très très bon, je sais pas, hein. Non. Non, je vais réchauffer chez moi, merci. J'ai demandé à la dame, très gentille d'ailleurs, de me mettre tout ce qui était aux légumes et aux crevettes. J'ai demandé un de chacun. Non, c'est pas que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite question pour vous. Vrai ou phnom? Vrai ou phnom? La courgette et... Non, je suis fier de ma blague. On va commencer par ça, là. J'étais pas serein à la base. Ma non-sérénité se confirme. Crevette. C'est pas juste, c'est pas très bon, les gars. Là, j'ai peur de finir ma nuit aux toilettes. Pourquoi c'est noir comme ça? C'est... Les vermicelles, normalement, c'est blanc. Il y a des aliments à caractère non répertorié. Un petit peu d'omelette. Qu'est-ce que tu fais là, frère? J'ai peur. Non, mon repas est-il infâme? Eh les gars, d'ailleurs, j'ai eu une idée. J'aurais bien aimé, après chaque vidéo YouTube, ensemble, on choisisse un objet de la vidéo marquant et que je viendrais accrocher sur le mur. Pour cette vidéo, je pensais soit mon arme létale, soit une petite cartouche comme ça, peinture lurée, ou soit la carte avec les points de peinture, là, comme ça. Perso, je pencherais plus pour la carte, mais je vous laisse me dire en commentaire. On va terminer là-dessus, les gars. Boisson au litchi. Je vais bien finir sur une note un petit peu positive.
La note n'est pas positive. Le phénomène ne m'a pas réconcilié avec la cuisine chinoise. Pour finir, je voulais juste remercier une dernière fois le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Protection des données, accès à tous les contenus bloqués dans le monde entier. Et tout ça pour 2 euros par mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour toi, frère? Les gars, le lien est dans la description. Merci à eux, merci à vous. On va aller se coucher l'estomac léger, en espérant que le peu que j'ai ingurgité ne se régurgite pas.